Bismillah et salat wa salam ala Rasulillah, béni soit le créateur de l'univers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le Seigneur suprême, il est le créateur, il n'a pas été engendré, il n'engendre pas. Que le salut d'Allah soit sur la meilleure de ses créatures, le prophète Mohammed salawatu rabbi alayhi wa salam. Mesdames et messieurs, salam alaikum et bienvenue dans Al-Iftar, c'est le 24e numéro de cette saison 4. Et à mes côtés, Awa Koulibaly et Mariam Sidibé. Salam alaikum Awa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakim, comment ça va? Alhamdulillah, grâce à Dieu, ça va très bien. Pour le bonheur des téléspectateurs, je pense que la forme ça va, même si on commence déjà à sentir un peu de fatigue parce qu'on tend vers la fin de ce grand mois. Évidemment, évidemment qu'on ressent la fatigue, mais c'est toujours un bonheur d'être là pour servir nos téléspectateurs, à qui d'ailleurs je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tout en rappelant que vous nous suivez sur canal, le bouquet canal au 193 et sur Star Times au 793. Avec moi, je suis en uniforme, Mariam Sidibé. Je le constate. Je suis un homme juste. J'offre les mêmes choses à mes épouses. Vous le constatez sur le plateau. Rien ne peut contredire ça aujourd'hui. Vraiment, un très bon épouse. Aujourd'hui, on peut pas dire le contraire. Vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Salam alaikum. Je suis flatté aujourd'hui, en tout cas. On va également dire salam alaikum à notre invité, l'imam Traoré, Jack Elidja. Il est imam adjoint à la mosquée Oribat 1, donc dans la commune de Cocody. Il est également chef scout. Imam Traoré, salam alaikum. Wa alaikum salam, mon frère Abdullah Hakim. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Allah l'Iftar. Vraiment, le plaisir est partagé. Alors, avec vous, on parlera du Ramadan et la gestion du temps. C'est ça. C'est une thématique perpétuellement d'actualité. On en parlera tout à l'heure, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, ouais. Oui, et la première articulation de cette assise, de cette émission, eh bien, c'est Saveur Ramadan. On se dépêche pour retrouver Chef Natou et Chef Pafa. Et voilà, nous retrouvons comme tous les jours Chef Natou et Chef Bafa juste après l'introduction de notre émission afin de savoir le plat que nous allons consommer à l'Iftar. Chef Natou, Chef Bafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa, comment ça va? Bien, alhamdoulilah, nous allons très bien dans les cuisines de Allons à l'Iftar. Toujours motivé à nous proposer des bons plats pour rompre le jeûne, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, on mange quoi? Alors aujourd'hui, Abdou Hakim m'a confié qu'il se sentait un peu faible. Yeah. Du coup, c'est vrai? Oui, effectivement. C'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est ça. Et j'ai demandé que tu me fasses quelque chose qui puisse me donner beaucoup d'énergie après la rupture. Alors, on va faire le plein de vitamines donc aujourd'hui avec des légumes. Des légumes. Donc, Chef Bafa va nous faire aimer les légumes dans une recette dont lui seul a le secret. Chef Bafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez nous faire pour nous faire aimer les légumes? Parce que ce n'est pas évident de manger les légumes tous les jours, quoi qu'on devrait. Effectivement, on va façonner les légumes à notre manière. D'accord. En tagliatelle. En tagliatelle? Oui, tagliatelle, les légumes avec des steaks. Avec des steaks. Voilà. D'accord. Donc, on a connu les tagliatelles, les pâtes. Aujourd'hui, on aura des tagliatelles de légumes. Et qu'est-ce qu'on aura, de quoi on aura besoin pour faire tout ça? Pour réaliser, on aura besoin de steak, huile du Nord, la tomate, échalote, et de l'oignon, persil, du navet, les carottes, courgettes, du beurre, persil, de l'ail, persil. Et sans oublier poivre et du sel. Un peu, un peu de coriandre, des graines de coriandre si vous voulez. Voilà. D'accord. De même que des graines de coriandre. Donc on peut utiliser les épices dont on a besoin, les épices qu'on aime. Herbes de province, thym, le thym, la coriandre. La coriandre, ainsi de suite. Ça dépend. Quoi. D'accord. Ça dépend de vous. Donc, ça sera un plat vitaminé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est rien que pour vous, Abdoulakim. Merci beaucoup. Tout à l'heure, c'est rien que pour Abdoulakim. C'est rien que pour lui aujourd'hui. Merci, c'est vraiment fait à dessin. Je suis gâté, merci. Et puis, merci pour le plat d'hier. C'était l'éventail d'avocat avec les crevettes. C'était super délicieux. C'était bon, alhamdoulilah. Et on va encore se régaler ce soir. Merci, Nabt. Merci également, Chef Bafa. Merci à vous. On vous retrouve dans quelques instants pour la préparation de ce plat. Voilà, Hakim, on vient dans notre studio. Après la cuisine, on vient pour les échanges avec notre invité. Exactement, on l'a dit, l'imam Traoré Diakaridja, qui est donc
Imam a joué à la mosquée au Ribat 1, dans la commune de Cocody. Il est également chef scout. Mmh. Et d'ailleurs, nous saluons la présence des scouts musulmans qui, n'est-ce pas, donc, sont venus soutenir leur imam et en même temps chef scout. On aura l'occasion d'entendre des chants, n'est-ce pas, des scouts. Vous êtes prêts, non? Vous êtes prêts, ils sont prêts, ils vont chanter pour nous. Mais déjà, je vous l'ai dit, donc, on parlera de la gestion du temps. Ramadan, une gestion du temps par le musulman. Imam, dites-nous, comment est-ce que le musulman devrait comprendre la notion du temps en termes de définition? D'accord. Dans un premier temps, j'aimerais que nous puissions comprendre de manière définitionnelle, une approche définitionnelle du temps, pour dire que le temps, c'est le moment au cours duquel se passent les événements de la vie de quelqu'un, ou d'une chose, ou d'un objet. À côté de cela, nous avons le point de vue islamique qui dit que le temps est un récipient dans lequel on peut contenir la vie de quelqu'un. Le temps est également pour le musulman un capital qui lui permet d'asseoir une activité générative de revenus, au plan spirituel notamment. Le temps est enfin pour le musulman une grâce d'Allah qui lui permet d'utiliser et le mettre à bon escient pour être reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. À défaut, si on met le temps dans une situation négative et n'est pas bien profité du temps, on devient mécréant vis-à-vis de la grâce d'Allah. C'est comme ça que le musulman voit le temps, il s'en sert à bon escient, il l'utilise pour s'approcher davantage d'Allah, de lui-même et de ses prochains. Merci en tout cas, Imam, pour cette définition. Alors, Imam, on sait que le temps est l'une des ressources les plus précieuses pour l'humanité, car le temps passé ne revient pas, comme on le dit. Le temps qui est passé, il est déjà passé. Alors, ce temps-là, il a des caractéristiques. Tout à fait. Oui, le temps a des caractéristiques. Le premier caractéristique du temps, pour le musulman surtout, c'est le fait qu'il, quand il passe, il ne revient pas. Le temps ne revient plus. Donc le musulman, quand il a un petit temps pour quelque chose, il le divise en trois parties. Une partie pour la spiritualité, une partie pour son entretien physique, une partie pour le social, c'est-à-dire être en harmonie avec soi-même, avec ses semblables. Et le deuxième caractéristique du temps, c'est le fait que quand il passe, il ne revient pas. C'est-à-dire qu'il passe rapidement d'abord, et quand il passe, il ne revient pas. Voilà les deux caractéristiques. Il peut passer rapidement, dans un moment de bonheur comme dans un moment de joie. Quelle que soit la situation que nous vivons, le temps ne change pas son cours. Voilà, donc voilà les deux caractéristiques, la rapidité du passage et le non-retour. Alors ça veut dire que le temps a une vitesse, oui. Parfois que l'homme ne peut pas maîtriser. Tout à fait. Et nous sommes des êtres vivants, oui. Nous avons une existence qui est déterminée par une durée bien précise. Tout à fait. Qu'à la seule, on a la connaissance. Oui. C'est le lieu de rappeler que le temps, comme je l'ai dit, est le récipient dans lequel se trouve la vie de quelqu'un. C'est savoir que le temps contient notre naissance, notre croissance, notre maturité, notre reproduction, notre vieillesse et enfin notre mort. Donc le temps, quand il commence à passer, vous allez voir que l'enfance déjà est derrière nous. La croissance est déjà derrière nous. La maturité commence à venir. Dans peu de temps, pour ceux qui seront mariés, auront des reproductions. Et après, il aura vraiment la vieillesse et puis on va partir. Voilà pourquoi les Arabes disent « Al-waqtu tamur mar as-sahab » Le temps passe comme les nuages passent. De toute façon, les nuages passent à notre insu, comme ça le temps passe très rapidement. Effectivement, le temps passe très rapidement. Très rapidement. Il laisse... Parfois, on dit que le temps, c'est de l'argent. Est-ce que ça fait partie des caractéristiques en tant que musulman? De manière indirecte, on peut dire que le temps peut être de l'argent, comme je le dis, quand on met le temps à bon profit et qu'on arrive à gérer le temps pour pouvoir créer des activités génératrices de revenus, tout se passera dans le temps. Et quand on sait bien gérer son temps, on a Dieu à côté, on a ses activités. Dieu même nous dit de ne pas oublier notre part ici-bas. Donc on peut prendre le temps pour générer des activités pour pouvoir faire du profit. Mais on ne dit pas comme les Américains qui disent « time is money », le temps c'est uniquement de l'argent. Si on pense de cette manière, on sera des serviteurs du temps et on ne pourra pas mettre le temps à notre service. Le croyant met le temps à son service, mais il ne prend pas le temps comme un maître. Notre maître c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, comment on met ce temps-là à notre service en tant que... C'est là nous avoir effectivement à connaître l'importance du temps. Le temps tire son importance à partir du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a juré par tous les moments du temps. J'en veux pour exemple, Allah dit « Fala ukosimu bi shafaqi » Je jure par le crépuscule.
c'est un temps. Ou al-fajr, je jouis par le fajr. Ou al-subh, je jouis par l'aube. Ou al-duha, je jouis par l'aurore. Ou al-nahar, je jouis par la journée. Ou al-layli, je jouis par la nuit. Et Allah va même nous dire dans une sourate, un chapitre précis pour le temps. Ou al-asr, je jouis par le temps. Quel temps? Le temps de la naissance jusqu'à la mort. Innal insana lafi khusr. L'être humain est dans la certitude, est sûr d'être dans, comment on appelle, dans la perdition, de manière sûre. Il a l'azina amanu, sauf ceux qui auront mis les temps à profit en croyant en Dieu. Wa amilu salihat, on fait accompagner leurs croyances par les bonnes actions. Et cela ne suffit pas. Wa tawassaw bil haqq, parce qu'on peut être distrait. On doit s'enjoindre, se conseiller mutuellement par la vérité. La personne qui dit la vérité doit être véridique, être en mesure de recevoir aussi la vérité, le dire avec beaucoup d'amour et de flexibilité. Ottawa Sobisop aussi se conjoint, se conseiller mutuellement dans la voie de l'endurance. C'est l'endurance qu'on dit au bonheur. Alors justement, la sourate que vous venez de citer, dans quel contexte est-ce qu'on peut dire que cette sourate a été révélée au prophète alayhi salatu wa salam, justement? Bien, le contexte même que nous sommes en train de traiter, parce que Dieu a voulu que le croyant prenne attention au temps, prennent le temps comme un moyen de se rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas que toutes les actions cultuelles se font à partir du temps. Inna salata kanat lil mu'mina kitaban mawquta. La prière a été une prescription pour les croyants de manière déterminée par des heures. Donc on parle du temps ici. Quand on regarde à côté de la prière, nous avons la zakat. La zakat est donnée en fonction d'une gestion du temps. 12 mois écoulés et puis de l'argent épargné, le temps intervient ici. On va se retrouver au niveau du mois de Ramadan, on va calculer le temps. On va attendre à ce que la croissance lunaire soit apparue et on va se retrouver à côté dans le Hajj. Le temps aussi est bien déterminé parce qu'on a Arafat qui détermine le quatrième et le dernier pilier du Hajj. Donc le temps est un moyen véritable pour le rapprochement vers le Seigneur et vers le salut. Alors dans tout ça, on a dit que le temps est... Toute personne qui va mettre à profit son temps seront parmi les gagnants. Comment justement mettre à profit ce temps-là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir être gagnant sur le temps qu'on a à vivre? Très bien. Donc on va suivre le l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui-même le Coran personnalisé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire de profiter de 5 choses avant 5. Et ces 5 choses-là sont composées du temps que nous avons à passer sur cette terre-là. Il rappelle que nous sommes là de manière temporaire et éphémère. Donc le prophète va nous réveiller la conscience pour nous dire « Ertanim khamsan qabla khamsin » Profite de 5 choses avant l'arrivée de 5 autres choses. La première chose, c'est « Suhataka qabla sakamika » Profite de ta santé avant ta maladie. La santé, c'est quoi? Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est le bien-être complet, mental, physique et social. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te dire de profiter de cette santé-là. Et on l'a vu pendant notre gestion du temps avant le mois de Ramadan. Les gens sont venus à l'hôpital, ils sont allés faire des consultations contre leur situation de diabète, qui n'est pas qu'il y ait des taux de glycémie élevés. Les gens sont allés connaître les triglycérides pour savoir est-ce qu'ils n'ont pas un taux de cholestérol, ben, de graisse élevée au niveau des laits qu'ils consomment, au niveau de la viande qu'ils consomment et au niveau de l'huile végétale qu'ils sont en train de consommer, au niveau des triglycérides. Donc nous avons eu à entretenir notre santé avant que nous abordions le mois de Ramadan. Cela est une première chose que le musulman doit tenir compte depuis la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Nous avons le deuxième élément qui est de profiter de sa jeunesse d'abord avant sa vieillesse. Et la jeunesse se passe dans le temps. On sait que la jeunesse est le printemps de la vie de quelqu'un. C'est le moment le plus important. C'est le moment d'investissement. C'est le moment de réalisation des projets. C'est le moment des visions. C'est le moment de développement. C'est le moment où on peut semer des arbres et s'asseoir sur les ombres après. Donc le prophète dit de prendre soin de sa jeunesse, de ne pas gaspiller cette jeunesse-là. Donc cela va nous aider à faire un plan d'études, un plan de travail, un plan de mariage, un plan d'éducation de ses enfants et un plan d'achat d'un terrain pour ses vieux jours. D'accord. On comprend que le temps est un facteur central dans notre vie de tous les jours. Merci, Mme Traoré Diakhalidia. On reviendra pour la suite des échanges, le temps de marquer notre transition afin que Mme Sidibé nous présente les échos du Ramadan.
Amoureux et amoureuses de l'information, de la bonne information, de la vraie information, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans les échos du Ramadan. Eh bien, débutons notre course de l'information à l'intérieur du pays, à Gagnoua. Lonsini Kamara, quelles sont les nouvelles de l'autre côté et du pays? Auzubillahi minashaitani rajim, bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans la région du Gor, plus précisément à Gagnoua. Les échos du Ramadan, aujourd'hui, nous avons deux actualités. L'une sur le don du ministre Miss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Et l'autre sur le don fait par les sénateurs. Mesdames et messieurs, pour la première actualité, la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmonde Dogo, est solidaire aux communautés musulmanes et chrétiennes du département de Gagnoua. Elle leur a fait un important don de 14 tonnes de vivres à l'occasion du mois du Ramadan et du carême chrétien le samedi dernier sur l'esplanade de la préfecture de Gagnoua. Au nom du ministre, le préfet de la région du Gor, préfet du département de Gagnoua, a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Je voudrais souhaiter que les dons aillent aux bénéficiaires, que ces dons qui ne vont pas se substituer aux besoins des uns et des autres, mais c'est une façon pour le gouvernement de montrer que le gouvernement est à votre côté. Donc je souhaite que ces dons soient distribués aux bénéficiaires. Ensuite, je voudrais particulièrement souhaiter que les chefs de communauté, que les guides religieux, que nous tous, nous prions pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion. C'est avec la paix que tout est possible. C'est avec la paix qu'il y a le développement. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un président qui a de la vision. Nous devons lui apporter ce que le président nous demande, c'est de lui apporter la paix pour qu'il trace les sillons d'un pays prospère. Message reçu 5 sur 5 par les guides religieux. Même si on ne peut pas tuer la pauvreté, on peut diminuer les conséquences négatives de la pauvreté. Et c'est ce que Madame la ministre est en train de faire et continue de faire au nom du gouvernement, au nom de son excellence, Monsieur le Président de la République, un homme de paix, un homme de développement. Que nous tous ensemble, nous devons prier pour lui. Quand on prie pour lui, on prie pour la Côte d'Ivoire, on prie pour la paix, on peut adorer Dieu. Et je pense que c'est un acte à reconnaître et à saluer. Donc c'est un sentiment de reconnaissance que j'exprime. Et reconnaissance à l'endroit du gouvernement et en particulier à l'endroit du ministère de la Solidarité. Ce don est composé de 400 sacs de riz, et 50 sacs de sucre, 20 cartons d'huile et 30 cartons de lait. Toujours au chapitre de l'actualité des dons pendant le mois de Ramadan, 20 tonnes de riz, c'est le don que les sénateurs de la région du Gor, Alci Djedje et Fatouma Sangaré, ont offert aux collectivités locales de la région. Le sénateur Alci Djedje a invité les guides religieux à prier pour la paix dans notre pays. Au nom des bénéficiaires, les porte-parole Valentin Boni, deuxième adjoint au maire de la commune de Gagnoua, et Nicolas Bizier, conseiller régional du Gor, ont dit merci aux donateurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les échos du Ramadan dans la région du Gor. Assalamu alaikum. Merci à vous, camarades Lonsine depuis Gagnoua. On se retrouvera, Inch'Allah, très prochainement. Le Ramadan et l'amour du jeûne, et bien au Cameroun également. Les tout-petits se lancent aussi dans cet important pilier de l'islam afin de bénéficier grandement de ses récompenses. Entre formation et technique pour les jeunes débutants, l'imam et enseignant Daouda Aboubakar Labarang nous donne quelques leçons tirées du noble Coran. Suivons cet élément de Ismaël Paraïso depuis le Cameroun. Durant le mois de Ramadan, les enfants se lancent des défis, se vantent de jeûner avec succès et se moquent de leurs camarades qui n'y arrivent pas. Salam alaikum, je m'appelle Farhan Abdelkadir Ousmane. J'ai 9 ans, j'ai jeûné 11 fois. J'encourage les enfants qui ont mon âge de jeûner plus car le jeûne est important. Les parents à leur tour encourage des enfants en promettant des récompenses lorsqu'ils jeûnent. Certains parents ne pensent pas forcément aux plus jeunes, alors que beaucoup d'entre eux, c'est un moment d'apprentissage
de cet important pilier de l'islam. Pour l'éducateur et imam Aboubakar Daoud Alabaran, plusieurs techniques sont importantes pour maintenir cet enfant dans la foi. Des enfants, on les apprend, n'est-ce pas? Le prophète a dit, apprenez à prier à vos enfants, là, de 6 ans jusqu'à 10 ans. Donc, il faut être rigoureux envers eux pour qu'ils puissent vraiment apprendre bien à prier. Et maintenant, à l'âge majeur, ils doivent. Donc, nous avons des enfants qui, c'est leur premier Ramadan, cette année 1445 de l'Hégire. Nous les encourageons. Il est important d'entretenir les jeunes pendant ce mois de grande adoration afin qu'ils s'imprègnent et s'adaptent progressivement de ce quatrième pilier de l'islam. C'est un mois béni, on leur donne le sens du Ramadan. Parce que le sens profond du Ramadan, c'est être habité par la piété, la crainte révérencielle d'Allah. Aujourd'hui, tous les actes qui sont posés de déviance, etc., il y a ce manque-là. Il y a ce manquement à nos jeunesses. Donc, c'est pour cela, voici une opportunité pour notre jeunesse de saisir l'occasion. Même le prophète, une parenthèse, a dit aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier, d'observer le jeûne, de pratiquer le jeûne. Vous voyez, ça va un peu adoucir leur envie, tout cela jusqu'au moment où Allah va les donner moyen et maintenant de se marier. Du Cameroun, nous sommes de retour à Abidjan et on félicite Nobuchou du monde entier, voilà, qui jeûne durant ce mois de Ramadan. Et on termine avec cette information. Karim Ouattara, un cadre musulman, a touché du doigt un réel problème dans notre société, dans notre communauté, celui des paniers de Ramadan. Je ne vous en dis pas plus, suivons cet élément. Il y a deux choses qui me torturent en période de carême. Je ne dis pas cela pour choquer quelqu'un parce que le mois de Ramadan, c'est un mois aussi où des jeunes entrepreneurs, femmes comme hommes, développent leur business. Mais peut-être qu'il va falloir revoir le modèle dedans. Quand je reçois un panier de 200 000, ça me choque, ça me torture. En toute sincérité, j'en ai pas besoin. Machallah, j'en ai pas besoin. Chaque jour, c'est ma torture, ça. Tous ceux qui sont proches de moi savent. Je ne vais pas citer des sociétés, mais des grosses sociétés. C'est devenu du RP maintenant, relations publiques. Donc, c'est un objet marketing. Tous les jours, je peux avoir 10 à 20, 30 paniers qui sont déposés. Valeur de 100, 200, 300, 400 000. 10 paniers de 300 000, ça fait 3 millions. Qu'est-ce que 3 millions pourraient faire pour des gens qui sont défavorisés dans les quartiers? Voilà une de mes premières souffrances. La deuxième souffrance, c'est celle que je suis en train de subir là, présentement, en organisant cette rupture collective. Ça a été vraiment une lutte. C'est à la dernière minute que j'ai décidé de faire cette année. Parce que je me suis dit, et je n'ai pas voulu faire ça dans là où on faisait d'habitude, parce que quand on faisait les frais, c'était vraiment des millions. J'ai dit, ça suffit. Ce cadre, je l'ai loué pour un bon moment. Je peux l'exploiter avec moi-même mes équipements. Ce sont mes chaises, ce sont mes équipements. Machallah, je peux le faire. On appelle les gens pour nous faire la bouillie, les trucs, mais simples. Pour que le reste, je puisse utiliser pour subvenir aux besoins de 200 veuves que je prends en charge chaque année pendant la fête de Ramadan. Inch'Allah. Abdoulah Kimondoloye, réaction? Je l'ai dit, tout ce qu'il a dit, Karim Ouattara, donc cela se passe des commentaires. Effectivement, ça ne sert à rien d'investir dans l'achat de paniers pour offrir à des personnes qui n'en ont pas besoin, alors qu'on a tout près de nous, ou dans les quartiers précaires, des personnes qui sont dans le besoin, à qui ces sommes pourraient vraiment aider à passer même tout le mois entier de Ramadan, à pouvoir nourrir leur famille. Je crois que c'est salutaire ce qu'il a fait. Également, ce qui est important, également, qu'il faut retenir dans son message, il prend chaque année en charge 200 vœux pendant le Ramadan. Il faut féliciter et encourager ces hommes qui ont les moyens, qui peuvent aider leur prochain et qui savent le faire à bon escient. Et comme le chèque aime à le dire, il faut chercher Dieu intelligemment. Je crois que là, c'est une façon intelligente de chercher Dieu et de plaire aux hommes. Chercher Dieu intelligemment, tâchons également à être généreux avec les personnes qui ont réellement besoin. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons prendre congé de vous en ce qui concerne les échos de ce jour. Prenons rendez-vous pour demain. Allah le voulant. Merci donc de suivre Alain Liftar sur la télévision albanienne et c'est le 24e numéro. Et nous profitons pour rendre hommage au Cheikh Kaïma Abouaka Fofana Raymola qui a été rappelé à la Soumantala. Un 24 Ramadan, cela fait maintenant 4 ans. Et il y a des activités qui sont organisées en son honneur pour que Allah SWT puisse vraiment lui accorder sa miséricorde. Également pour que son héritage soit bien préservé et que cela soit une source d'inspiration
pour les générations futures. Un mot sur le Cheikh Aïma Abakafou Fofana. Oui, on va dire que c'était une bibliothèque. Il a été l'un des pionniers pour que notre religion, l'islam, soit vraiment un vecteur de paix, voilà, d'entraide dans notre communauté. Et ça, nous l'oublierons jamais. On rappelle que Al-Bayan, tout au long de cette journée-là, a un programme spécial sur le Cheikh Oulaïma Boakari Fofana, qu'elle lui fasse miséricorde. Et pour dire aussi que c'est un pionnier qui vraiment à lutter pour que la religion musulmane soit reconnue dans toute son entièreté dans notre pays. Également, il nous a donné beaucoup d'enseignements qui nous servent jusqu'à présent. Je veux dire que lui, il a profité de sa vie intelligemment pour servir Dieu. Il a profité de sa jeunesse, il a profité de sa vieillesse. Il nous a laissé des enseignements qui nous profitent si, évidemment, nous prenons soin de suivre les enseignements qu'il nous a laissés. Cela nous emmène à retourner vers notre invité pour parler des cinq choses desquelles nous devons profiter avant cinq autres. Vous avez cité trois, il reste deux. D'accord. J'en ai cité deux. Deux, d'accord. Pour vous rappeler, de parler de la vieillesse, de la santé. La santé. Ensuite, de la jeunesse. Nous allons nous pencher du côté de la richesse. D'accord. Nous avons tout à l'heure un homme généreux qui se sent mal à l'aise lorsqu'on vient lui donner encore des dons alors qu'il n'en a pas besoin. Il y a des quartiers qui en ont besoin. Donc, le musulman doit élaborer un bon programme pour se permettre d'être parmi les riches. On ne doit pas être satisfait de la pauvreté. On doit lutter pour aller à la Mecque. C'est très important. On ne doit pas être satisfait de la pauvreté. On ne doit pas être satisfait de la pauvreté. De la pauvreté, non. De notre condition de vie. De notre condition de vie, notre condition précaire. Non. On doit se battre pour aller de l'avant. Mm-hmm. On doit prendre des personnes en charge. Regardez un peu ce que le prophète dit. Il suffit de donner une petite tranche de date à ton prochain. Une date, divisez-la en deux et donnez à quelqu'un qui a gêné. Ça coûte combien? 100 francs. Et cela vous procure combien de bénéfices? L'égalité, la moitié, c'est-à-dire l'égalité des mérites que l'autre peut avoir, mm-hmm, à partir de 100 francs. Donc on ne doit pas être satisfait vraiment de la pauvreté. On doit se battre, on doit travailler, on doit étudier. La meilleure manière de lutter contre la pauvreté, avoir un bon diplôme, avoir un bon métier, avoir un bon fonds de commerce. Et c'est faire confiance et placer sa foi en Dieu pour se battre. D'accord, donc là c'est le troisième élément. Le troisième élément, c'est l'argent. Le quatrième élément, c'est le temps vide. Donc nous tous, en tant que jeunes, en tant que musulmans, nous avons élaboré un programme pendant le mois de Ramadan. Nous savons comment il faut rentrer à la maison en évitant les embouteillages, qui étaient des prétextes avant le mois de Ramadan. Nous savons comment gérer la nuit, alors que nous étions connectés à nos télévisions. La nuit du mois de Ramadan, tout le monde a ses chapelets, a ses prières surrogatoires, bien élaborées, bien suivies. Nous avons les lectures coraniques. Donc le vide a été comblé parce que Allah aime. Parce que nous sommes là pour un temps bien déterminé, nous devons mettre ce temps-là à profit. Le dernier élément, c'est de profiter véritablement de sa vie avant sa mort. Parce que le Coran nous dit, ô vous les croyants, je vous demande de ne pas vous laisser distraire par vos biens et vos enfants, auquel cas vous serez parmi les perdants. Et investissez ce que je vous ai donné comme grâce. Avant que la mort n'atteigne l'un d'entre vous, qu'il dise au Seigneur, accorde-moi un laps de temps, afin que je sois généreux et je sois parmi les vertus. Et Dieu n'accordera jamais, comme le dit le verset, un temps à un être, à une âme qui a écoulé son temps. Et Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que nous faisons. Donc il faut profiter véritablement de sa vie avant sa mort. Et oui, Mariam, après les informations croustillantes, nous avons également la cuisine qui est très croustillante, qui donne l'eau à la bouche. J'accepte. Elle est savoureuse. Et mon cœur reste ouvert. Voilà, donc on reçoit une fois de plus les chefs Natou Fofana et chef Bafa. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chef Natou, c'est à quel niveau notre iftar? Alors, c'est en bon état, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Alors, on fait cuire la viande, les filets de bœuf. Je vais vous montrer la belle coloration et la belle odeur. J'espère que vous pouvez la sentir de là-bas. La oui, belle coloration. On sent l'odeur tous les jours. C'est le vrai morceau. C'est le vrai morceau. Et heureusement que c'est un plat qui m'est réservé. C'est ça. Ouais. Donc, l'huile d'inor a donné une belle coloration à nos viandes qu'on a fait saisir des deux côtés. Uh-huh. Et je laisse Chef Bafa donner la recette de cette viande. Chef Bafa,
Expliquons un peu aux téléspectateurs comment nous avons fait pour avoir ce résultat-là. Effectivement, quand nous avons mis la poêle au feu, on a mis 2 cuillerées d'huile et une voile chaude. On a salé, poivré la viande et commencé la cuisson. Il faut que la poêle soit très bien chaude avant de commencer la cuisson. Avant de commencer la cuisson. Mais voilà. Avant, on poivre et on selle la viande. Voilà. À mi-cuisson, on ajoute les herbes, que ce soit coriandre, si vous voulez, herbes de province, si vous voulez, du thym et bien d'autres. Voilà. C'est déjà salé, poivré. Donc, on continue la cuisson. Au moins 2 minutes sur chaque côté, sans oublier la coriandre et un noix de beurre. Une noisette de beurre pour rendre la viande tendre, c'est bien ça? Effectivement, une noisette, oui. Il faut rappeler que le filet de bœuf, c'est la partie la plus tendre du bœuf. Mais avec une noisette de beurre, on a un bœuf qui est beaucoup plus tendre que la normale, on va dire ça comme ça. Chef Bafa, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en train de faire les tagliatelles des légumes. Actuellement, on commence par les carottes, les navets et sans oublier l'autre cuillère. Une fois saisie, on va blanchir. On va blanchir d'abord dans l'eau bouillante, salée, recouper la cuisson dans l'eau glacée avant de sauter dans le fond de viande. De la viande. Voilà. D'accord. Pour pouvoir donner plus de goût, plus de saveur et il va s'imprégner au niveau du gras. Au niveau de la poêle. Surtout le sucre de la viande. Voilà. Pour pouvoir donner plus de tonus à la créatelle. Voilà. Alors, il faut rappeler que blanchir la viande, c'est simplement, blanchir les légumes, c'est simplement les plonger dans de l'eau chaude avec un peu de bicarbonate de sodium pour qu'ils gardent leur belle couleur. Et on coupe la cuisson juste après avec de l'eau glacée pour qu'ils gardent leur croquant et toutes les vitamines qu'il y a à l'intérieur. Les vitamines dont vous aurez besoin, chef Abdelhakim, justement. Oui, effectivement, j'en ai fortement besoin en ce moment-là parce qu'il fait très chaud, on a beaucoup bougé, on a besoin de prendre un peu d'énergie. Merci Chef Nath et Chef Bafa. Merci beaucoup Chef Nath et Chef Bafa. Chef Bafa ne nous a pas donné le temps de cuisson de notre plat du jour. Le plus souvent, ça dépend de cuisson. Si vous voulez à point, saignant ou bien cuit, ça dépend. 2 minutes de chaque côté, 3 minutes, ça dépend. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, c'est... C'était la saveur oui, ça ramadan. Fort dans la cuisine de côté. Dans quelques instants, nous serons avec nos chefs pour présenter le plat que nous aurons à déguster à l'iftar et que les téléspectateurs auront à voir la belle présentation, Inch'Allah. Ils sont invités, hein, ils peuvent nous rejoindre. Ils peuvent nous rejoindre également à la maison. Ils peuvent nous rejoindre. Alors, justement, on dit que le scout s'est préparé. Alors, est-ce que c'est votre cas, Imam Traoré Diakaridia? Oui, de manière générale, les scouts savent préparer parce que quand on va dans les camps, nous sommes subdivisés en patrouilles. Comme elle a dit, elle est la première chef de patrouille. Et les patrouilles ont à charge de préparer pour elles-mêmes et de se nourrir. Ce n'est pas la maîtrise qui est composée des chefs pour nourrir les éléments. Okay. Donc on a nécessairement besoin d'apprendre, comme on le dit chez nous, l'habileté manuelle qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses. Mais on sait cuisiner. Est-ce que vous moi, cuisinez? Personnellement, je ne sais pas cuisiner. Parce que la vie nous demande de vous la question. Je ne sais pas cuisiner parce que ma mère en a fait une astuce. D'accord. Elle nous a demandé de ne pas apprendre à cuisiner, c'est de manière personnelle à elle-même, fait à son âme. Parce qu'elle dit un homme qui sait cuisiner est très capricieux au niveau des popotes et au niveau de la cuisson. Mm-hmm. Est-ce le donc, quand, bon, c'est ce qu'elle a dit. Pour rendre facile les choses à madame. Si, voilà, donc il faut prendre les choses faciles à madame. Mais cela ne nous empêche pas de donner des coups de main à madame. Donc, on ne connaît pas en cuisson personnellement. Et on va demander aux autres hommes de fermer les oreilles parce que vous devez cuisiner à la maison. Non, ça n'engage que moi. Je vais demander à Hakim, qui lui, il a l'habitude de faire le foutu et tout ça. Est-ce que tu es capricieux? Non, pas capricieux. Moi, tout ce qu'on me donne. Parce que moi, j'apprécie bien les plats qu'on me donne. Il est très capricieux en matière de nourriture. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas d'accord avec surtout toi. Surtout sur le côté, le moi, il gêne. Il est hyper capricieux. Mais ça, c'est normal. C'est normal. Le côté, il gêne, c'est normal. Il ne mange pas tout. Bon, ça, d'accord. C'est normal. Je crois que c'est le moment aujourd'hui. Il s'agit plutôt de parler de la gestion de la gestion. Alors, dites-nous justement, nous sommes dans la dernière décade de ce mois béni. Alors, comment gérer son temps, avec les arts d'adoration, avec nos activités professionnelles, avec la famille qu'on a à gérer. Il est bon de savoir que dans la vie, il faut l'autodiscipline pour réussir. D'accord. En tout développement, on parle de l'autodiscipline. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau en islam. Le prophète avait déjà parlé de ça. « Atta'amir nisful 'aish ».
Il dit que le planning, c'est la moitié de la vie. Celui qui sait planifier sa vie aurait gagné les 50% de reçu de sa vie. Donc nous travaillons, nous connaissons notre corps. Nous savons à quoi nous pouvons résister comme obstacle. Donc on vous essaye d'élaborer le programme. Surtout le préfet nous a dit les 10 dernières nuits et les nuits impaires. Donc vous pouvez le faire. La nuit commence à partir de la tombée du soleil. Quand le soleil est couché, à partir d'Isha, la nuit a commencé. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas résister aux fatigues du boulot le lendemain, essayez de préparer la nuit de manière à ce que vous puissiez supporter. Par exemple, vous allez prier de 19h30 jusqu'à 20h, vous couchez, ou alors de 22h à 23h. Et le lendemain, vous allez résister au boulot. Maintenant, si vous avez assez de temps libre, vous profitez de tous ces temps-là, depuis minuit jusqu'à 4h du matin. Mais en islam, un acte surrogatoire ne doit pas avoir un impact négatif sur des actes obligatoires. Survenir aux besoins de sa famille est un acte obligatoire. Payer la facture d'eau et de ceux-ci, c'est un besoin obligatoire. Cela dénote de la responsabilité de l'homme. Donc il ne faudrait pas détruire cela pour dire qu'il fait des actes surrogatoires alors qu'il y a beaucoup d'alternatives qu'on peut utiliser pour avoir les 10 dernières nuits. Alors il y a aussi des personnes quand même qui travaillent beaucoup, qui disent que je travaille tellement, je n'ai pas le temps pour les prières nocturnes. Voilà. Quand j'arrive du boulot, je suis fatigué. Et même pour faire tarawih, c'est compliqué. D'accord. Parfois on se réveille le matin, on se rappelle qu'on n'a pas encore fait Isha. D'accord. Et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise gestion de son temps? Oui, c'est une très mauvaise gestion du temps parce que la prière nous a été prescrite à des heures précises. Si vous n'arrivez pas à prier la prière d'Isha et que vous mouriez dans le sommeil, vous allez dire quoi à Dieu? Et le Coran nous dit dans la Sourate Maun, Al-Azina wa Salatim Sahoun, ceux qui font exprès pour oublier les horaires de prière. Si vous êtes fatigué, vous avez somnolé un peu, dormi un peu, le temps est parti sans que vous ne vous rendiez compte, on peut comprendre. Mais dire que je suis fatigué, prendre la fatigue comme un prétexte vraiment, c'est de manquer vis-à-vis d'Allah. Mm-hmm. Même Allah nous dit dans le Coran, ceux qui viennent dans la prière étant nonchalants, étant paresseux, cela fait partie des signes de l'hypocrisie. Il faut aller à la prière avec joie. Mais il faut se donner le temps de tout respecter. Mais il faut faire tout pour ne pas se mettre en retard au plan professionnel, au plan financier, et ne pas aussi donner satisfaction à Dieu. Donc on équilibre tout. Un temps pour Dieu, un temps pour sa vie, pour pouvoir équilibrer sa vie ici-bas et de l'au-delà. Alors on dit qu'en médecine, il nous faut 8 heures de temps pour pouvoir avoir une bonne santé, pour pouvoir récupérer lorsqu'on a passé toute la journée en train de travailler. Il nous faut 8 heures de sommeil. Mais avec cette période de Ramadan où les activités culturelles doivent être intenses, est-ce qu'on peut respecter ces 8 heures-là? Et sans pour autant que cela n'ait un impact sur notre santé. Oui. Cela va nous envoyer à penser à connaître mieux son corps. Et le prophète, quand il faisait ses prières nocturnes, se donnait un peu de temps de sieste. Mm-hmm. Il faut savoir siester. Il faut savoir aller au lit à un temps bien déterminé. Voilà. C'est vrai, nous allons dire, quand c'est pour les activités culturelles, on n'a pas assez de temps. La médecine dit ceci, cela. Mais il y en a qui ne font rien du tout. Ils ne font que regarder la télévision de 20h à 2h du matin. Et c'est là, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Il y en a qui font des causeries footballistiques de 20h à 4h du matin. Ils arrivent à vaguer à leurs occupations. Mais quand c'est pour Dieu, franchement, on a beaucoup d'appréhension pour dire, bon, vraiment. Sinon, en réalité, c'est tout ce qui se passe, c'est de manière mentale. Il suffit d'avoir un plan vraiment mental et résister. Et l'amour de Dieu qui va nous animer va nous permettre de respecter cela. Mais si la santé commence à vous lancer des signaux pour dire que ça ne va pas, vous avez des migraines, vous avez des fièvres, vous avez des vertiges, commencez à réduire. Voilà, le corps communique. Il faut savoir écouter son corps. Si votre corps commence à lancer des signaux, réduisez et essayez de voir comment est-ce que vous allez compenser cela. On dit le mois de Ramadan. Donc si la nuit ne vous permet pas d'être résistant, dans la journée, essayez de faire ce que vous pouvez faire. À l'impossible, nul n'est tenu. D'accord. Eh bien, voilà, donc, on a pu faire deux gagnants heureux ce soir dans le jeu d'Afani. Nous allons maintenant présenter la communauté qui est avec nous, les scouts musulmans. Et celle qui prend la parole, elle s'appelle Chef Traoré, s'appelle plutôt PCP, Traoré Ténin. PCP qui signifie Premier Chef Patrouille. Salam alaikum. Wa alaikum salam.
Oui, ça marche. Ça marche. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatou. Ça va, le jeune, tu tiens le coup, j'espère. Oui, oui. Tiens, en tout cas, les scouts sont endurants, apparemment. Oui. Est-ce que c'est tous les scouts sont endurants? Oui. Qu'elle a facilité. Ça va très bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé au scoutisme? Pourquoi vous êtes scout? Le scout, d'abord, je l'ai aimé vu que c'est un mouvement d'apprentissage, hormis l'école. Ça nous apprend sur la vie en communauté, travailler de ses 10 doigts, c'est-à-dire l'habileté manuelle, la vie spirituelle. Ça nous apprend à savoir prier, faire les aumônes et tout. D'accord, c'est une véritable icône, on va dire, oui. Le scoutisme. D'accord. Alors, vous représentez le Scout Musulman de Côte d'Ivoire, c'est cela? Oui. Quelles sont vos activités? Nous faisons plusieurs activités. Nous menons des actions, c'est-à-dire, surtout dans le mois de Ramadan, nous menons des activités, on dresse des tables pour donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs, c'est-à-dire les personnes que l'heure de la rupture les trouve sur la route, nous leur donnons plutôt de quoi rompre le jeûne pour ne pas qu'ils puissent être en retard. D'accord. Pour rompre le jeûne. Alors, ça sera pour mes crimes de ne pas vous demander de chanter quand on reçoit la Scout Musulman en 30 secondes, un chant de groupe en 30 secondes. C'est parti, donnez-le temps. Muhammadun khayrun wa man jahana mubashira. 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 Yazdawdu shakikun lama ayyan tura bayam mama baytan bilal bi azama akirim bihe me mandare. Muhammadun khayrun wa man jahana mubashira. Muhammadun khayrun wa man jahana mubashira. Merci, merci beaucoup. En tout cas, vous êtes très, très fort. Prochainement, on va demander à Doma, à notre technicien Doma Yacoub, de se joindre. Parce que c'est un scout aussi. Hein. Voilà. Et merci à Légui, à la réalisation, qui chante très bien, qui a une belle voix. Voilà, merci. Ça veut dire que même sur les scouts, on apprend à bien chanter, aussi à faire sa prière. Normalement. Merci beaucoup. Et surtout, salutations à votre président, le commissaire Traoré Mohamed, voilà, qui est donc le président des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. C'est l'heure de Ramadan Quiz avec Sangaré, qui nous vient donc de Boaké. Nous sommes dans les rues de Boaké pour ce numéro de Ramadan Quiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, téléspectateurs d'Albayana. La question du jour est la suivante. Comment appelle-t-on les prières effectuées lors des 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Pour la réponse, suivez-moi. Maman, il faut aller ma soujanseri. Voilà, maman, il faut aller ma soujanseri. Bon, on appelle ça tahajjoud. Comment appelle-t-on les prières effectuées lors des 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Comment appelle-t-on les prières effectuées lors des 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Soudjanseli. Soudjanseli. Bon, la prière des 10 derniers jours de Ramadan, on appelle ça tajoud. On appelle ça tajoud. On appelle ça soudjanseli. Et en arabe, il y a d'autres, on appelle ça aussi le tajoud. Prière effectuée lors des 10 dernières nuits de Ramadan, c'est le tahajjud. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur la télévision Albayana. Nous vous rappelons que la question du jour était comment appelle-t-on les prières effectuées lors des 10 dernières nuits pendant le mois de Ramadan. A très bientôt pour un nouveau numéro de Ramadan Quiz, Inch'Allah. Bien, merci donc à Sangaré Mariam depuis Boaké pour cette toute petite question posée aux téléspectateurs de Boaké. Apparemment, la réponse était
tout en douleur. Soudia Seri. Madame, la réponse, tu donnes la réponse. C'est la prière de Tahajjoud. C'est la prière de Tahajjoud, d'accord. Imam, c'est cela. Avoir toi d'abord ta réponse, c'est quoi? Oui, Tahajjoud. C'est Tahajjoud, d'accord. Mais en tant que la femme du moufti, laisse le retour de je ne connais pas. Il veut, voilà. Ça, c'est une de laisse majesté. Poser les questions. Non, non, et toi, c'est quoi la réponse? J'attends la réponse de l'imam. Non, non. Moi, je suis le moufti. Le moufti va lire. Je suis pas d'accord. Bien, c'est la prière de Tahajjoud. Tahajjoud qui veut dire la prière au cours de laquelle on consent beaucoup d'efforts. Tahajjoud, c'est le fait de consentir des efforts. Vous allez voir qu'on va s'arrêter longtemps. On va résister au sommeil, aux crampes, aux difficultés de la prière, à la chaleur, à la pression humaine. Donc, tous ces éléments-là réunis, le prophète l'a appelé à Tahajjoud. C'est une manière de consentir des efforts, de faire un peu de djihad pour les 10 dernières nuits afin de mériter la nuit du destin. Ah, donc bravo, ils ont trouvé la réponse. Ils n'avaient pas la réponse. Merci, la réponse. Pour la... Je vous en prie. Eh bien, nous avons donc dans ce numéro, ce 24e numéro de Allons à l'Iftar, deux instants Iftar à vous proposer. Nous partons tout de suite avec le premier. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous et chez vous, très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Al-Bayan. Eh bien, vous pouvez le constater, nous sommes à l'enceinte même de la télévision nationale islamique. Nous avons du pomme de terre aux lyonnaises et ensuite des légumes. Le second plat, c'est le poisson banane. D'accord. C'est des poissons. Le poisson banane, il y a des bananes à l'intérieur? Non, il n'y a pas de bananes à l'intérieur. D'accord. Voilà, c'est du modèle qui passe. Ok. Le troisième plat, c'est le brochette d'aloko. Des brochettes d'aloko, ok. On va dire que tous les amoureux de l'aloko seront présents à nous regarder. Effectivement. D'accord, il n'y a pas de problème. Et le plat suivant, c'est... Et ensuite, ça, c'est du pomme lyonnaise. Ok. Voilà, c'est seulement la coupure qui fait la différence. D'accord, et là, c'est juste coupé en rondelles. Voilà, justement. D'accord. Donc, pour laquelle il s'appelle lyonnaise. D'accord. Eh bien voilà, c'était donc Instant Iftar, le premier Instant Iftar de ce numéro avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, son excellence Abdoumalik Aketani, qui nous a fait l'amitié de participer à l'émission. Et puis après, bon, on lui a offert cet instant avec, bien sûr, Ivoire, prestation de chef de parole. On part pour le second Instant Iftar, la famille Doumbia Dabobo. Merci à Khadija Doumbia pour cet instant Iftar. On va donc poursuivre nos échanges avec notre invité, l'imam Traoré Diakaridja. Alors, on a donc parlé beaucoup de choses concernant la gestion du temps pendant ce Ramadan. Qu'est-ce qu'on peut retenir, surtout qu'on sait qu'on va sortir bientôt de Ramadan? Ramadan, c'est une école. Comment mettre en pratique tout ce qu'on a appris en matière de gestion du temps? Tout à fait. Comme je l'ai dit, le Ramadan est une école. Une école sous-entend un lieu d'apprentissage. Donc, nous sommes entrés dans le mois de Ramadan avec un repentir sincère, prenant des engagements vis-à-vis de Dieu, ne plus revenir sur le passé négatif. Et nous avons eu des enseignants pendant le mois de Ramadan qui étaient la nuit et puis le jour. Pendant la journée, nous avons pu nous abstenir de manger, de boire et d'aller vers nos désirs charnels. La nuit, nous avons consenti du temps pour pouvoir satisfaire Dieu avec les zikr, l'invocation et l'évocation de Dieu. On a lu le Coran, on a fait les prières sur le gata. Surtout, on a fait des rituels spirituels. On a fait des umrah. Donc, on a fait des umrah. On a fait beaucoup d'activités, nous permettant d'avoir la satisfaction de Dieu. Mais cela va sans dire qu'il faut mettre la sincérité dedans. D'accord. Et cette sincérité-là va se faire remarquer en dehors du mois de Ramadan. Parce qu'il y a une chose est d'aller à l'école, une chose est de mettre en pratique ce que nous avons appris. Mm-hmm. Donc, ce que nous avons appris pendant le mois de Ramadan comme enseignement spirituel, enseignement sanitaire, enseignement pécuniaire, donc on doit pouvoir le mettre en pratique en dehors du mois de Ramadan tout en gérant bien son temps. Nous allons dire que dans l'islam, nous avons des activités liées au physique. Et ces activités-là ont besoin d'élaboration du temps, telles que la prière. Les dispositions que nous prenons pour la prière du Fajr diffèrent de la prière du Zuhr. Et les dispositions que nous prenons pour la prière du Asr diffèrent de la prière du Maghrib et du Isha.
Donc on arrive à dissocier le temps que nous devons prendre pour chercher notre pain quotidien et notre adoration, physiquement parlant. Nous avons des activités culturelles liées à l'argent, telles que la zakat par exemple. Pour celui que je viens de dire tout à l'heure, on doit lutter contre la pauvreté, on ne doit pas être fier de la pauvreté. La personne qui veut véritablement donner une zakat va travailler pour pouvoir mettre à côté. Et pour terminer, nous avons le Hajj, qu'il faut élaborer un bon programme de financement pour pouvoir aller au Hajj. Donc un bon programme établi nous permettrait, après le mois de Ramadan, de joindre les dés. Et bien voilà donc, nous sommes de retour à Wakoulibaly. Oui, nous sommes de retour pour la phase finale de notre cuisine avec chef Natou et chef Bafa. Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, ce salam là, il doit être vivant parce que c'est l'heure. Donc, re-salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, parce que c'est l'heure justement, il est un peu plus faible vu que à l'arrivée de l'iftar, on n'a plus de force. On perd ses forces. À l'arrivée de l'iftar, on n'a plus de force, mais à l'arrivée de l'iftar, on se donne la force. Parce que d'accord, c'est bien aussi. On va permettre quand même de présenter le plat qu'on a. C'est ça. Alors, les tagliatelles de légumes. Avec comment est-ce que cela se présente? Alors, j'espère que vous pouvez le voir à l'écran. Les tagliatelles de légumes, c'est simplement des légumes qu'on a coupés sous forme de tagliatelles. Donc, avec un instrument spécial qui nous permet d'avoir ces formes-là et qu'on a fait cuire dans de l'eau. Ensuite, on les a fait revenir dans le jus de la viande. Donc, j'espère que vous avez tout suivi et que vous pouvez le refaire à la maison. Inch'Allah. D'accord, c'est prêt maintenant pour déguster cela dans quelques minutes. C'est ça. En tout cas, Hakim, j'attends que tu reproduises cela. Il n'y a pas de souci, je le ferai. J'ai la recette en tête. Surtout je vais que prendre note. C'est bien disposé. C'est bien disposé. C'est la viande. Respectées. Elle a dit, c'est une viande, le côté qui est bien tendre. Donc, c'est ça, c'est le filet de bœuf. Voilà, le filet de bœuf. C'est une partie qui est bien tendre. Et qui cuit rapidement. Et qui cuit rapidement. Moi, j'aime bien cette partie-là. J'aime pas ce qui dure trop au feu. Et quand c'est comme ça, on a l'heure. On appelle de la gestion du temps. Il faut tenir compte de cela également, même dans la préparation. Il faut préparer en respectant l'heure de la rupture. Surtout pendant le mois de Ramadan. Il ne faut pas passer tout le temps en cuisine non plus. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose tous les jours pendant ce mois de Ramadan dans les cuisines de Allons à l'Iftar des recettes simples et faciles à réaliser. Tout à fait. Merci. Passer moins de temps en cuisine, mais plus de temps en adoration. C'est ce qui est recommandé. Eh bien, nous rappelons qu'aujourd'hui, c'est le 24 Ramadan 1445 de l'Hégire. Le Ramadan est en train de partir. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a reçu comme enseignement tout au long de cette saison 4 de Alain Liptaï. Il nous reste encore quelques jours. Hein, et nous rappelons encore qu'aujourd'hui, c'est le 24 Ramadan. Et on se souvient, il y a 4 ans, le cheikh Kaïma Abouaka Fona, Raymond Lard, nous a quittés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous prions qu'il le réserve, en tout cas, une place de choix dans le Jannat al-Firdaws pour tout ce qu'il a fait pour notre communauté, pour tout ce qu'il a fait pour l'islam de Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire, parce qu'il était un symbole, il était une boussole, il était véritablement une référence pour nous, musulmans. Merci donc à l'imam Traoré Diakaridia encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux scouts musulmans de Côte d'Ivoire et pour leur participation. Merci à vous. Je t'en prie. On se retrouve demain, Inch'Allah. Lundi. Demain, c'est avec Safiat. Demain, c'est avec Safi. J'ai fait ce que vous demandez. Et sinon, merci beaucoup. Madame Sylvie, l'entraînerie, ça va? Tu tiens le coup? Oui, je tiens le coup. Merci beaucoup. Bonne rupture à vous, chers téléspectateurs. Et à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.